parler, attention, du livre de Tatsuji Murakami, livre sur les katas. J'ai décidé d'aborder cet ouvrage-là en tant que deuxième vidéo sur la culture martiale, les livres relatifs à la culture martiale, puisqu'il s'agit à mon sens d'un ouvrage assez rare. Alors rare parce que déjà d'une part, on traite ici du Shotokai. Le Shotokai, on sait bien effectivement que c'est un style qui est minoritaire en termes de nombre de pratiquants, en France mais aussi dans le monde. Et donc cette pièce-là vient proposer une vision sur les katas, mais une vision aux sources, c'est-à-dire on retourne sur la forme Shotokai telle qu'elle était pratiquée par l'un des maîtres qui a divulgué le style Shotokai, qui a permis son développement en France et en Europe, donc qui est le maître Tatsuji Murakami. Et donc cet ouvrage-là vient donner aux pratiquants Shotokai finalement une vision de la forme telle qu'elle était pratiquée. C'est très intéressant et à plusieurs points de vue. Donc cet ouvrage est particulier puisqu'il s'agit d'un livret coffret qui va contenir deux ouvrages cartonnés, l'un traite de la biographie de maître Tatsuji Murakami, avec pas mal de photos, c'est bien fait. On voit l'évolution dans le temps aussi, de manière chronologique, avec les différentes photos de stage, les différents participants. Quelques photos de maître Tatsuji Murakami qui sont, je trouve, assez inattendues, prises un petit peu sur le vif, et qui donnent une certaine qualité, une certaine émotion à la photo. Également, vous avez donc un deuxième livret qui lui va traiter des katas Shotokai, donc pris unitairement. L'ouvrage propose 16 katas Shotokai qui sont référencés. Et chacun de ces katas fait l'objet d'un décortiquage, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas la capacité à venir analyser le kata dans le détail, mouvement après mouvement, avec des commentaires du maître. Et parfois même sur certaines photos, j'ai pour mémoire effectivement qu'on a des annotations de Maître Tatsuji Murakami. Donc c'est très intéressant. Ce deuxième ouvrage, il vient s'articuler avec des fascicules, donc des fascicules qui sont positionnés sous forme de piles en accordéon. Donc on peut prendre un kata, l'ouvrir sous forme d'accordéon et voir plein de vignettes, donc séquencées dans le temps, qui correspondent, chacune de ces vignettes, à une posture, une technique faite dans le kata. Et donc on peut, comme ça, retracer l'ensemble du kata de A à Z, en suivant, bien entendu, et ça j'ai trouvé intéressant, c'est précisé dans l'ouvrage sur les détails des katas, l'ambusen, donc la trame du kata, en fonction du kata sur lequel vous voulez analyser, étudier, pour pouvoir apprendre votre kata. Alors bien entendu, ça semble évident, mais cet ouvrage-là s'adresse à des pratiquants Shotokai, avant tout, bien que d'autres styles peuvent s'intéresser aussi à la forme. On viendra sur cette partie-là après, mais s'adresse avant tout à des gens qui pratiquent le karaté et qui parfois n'ont pas forcément de repères techniques, hormis leur club, sur la forme externe d'un kata Shotokai. Et donc, cet ouvrage-là vous permet de mettre tout le monde d'accord sur la forme externe. Voilà. Qu'est-ce qu'une forme externe Shotokai? Il y a tellement d'écoles, tellement de styles, même au sein du Shotokai, parfois on s'y perd. D'accord? Entre est-ce que je décolle le talon sur un Gakutsuki, est-ce que j'ai le pied à plat, est-ce que ci, est-ce que là. Donc cet ouvrage met tout le monde d'accord sur la forme externe. La forme interne, c'est autre chose. D'accord? Là, on est vraiment sur l'aspect externe de la chose, la forme. Et donc cet ouvrage-là a pour objectif, en tout cas à mon sens, de venir harmoniser les formes externes au sein du style Shotokai. C'est une bonne chose, puisqu'à force de s'éparpiller, on finit par plus savoir où on est et qui on est. Donc avoir un point de repère, je trouve ça très intéressant. Et donc cet ouvrage apporte, à mon sens, ce point de repère. Concernant le kata Kankudai, petite information, vous aurez deux fascicules au lieu d'un seul par rapport aux autres katas, ce qui vous fait un total de 17 fascicules kata au lieu de 16. Voilà. C'est une petite précision, mais c'est important puisque tout n'est pas condensé pour le kata Kankudai. On sait bien, c'est un kata qui est particulièrement long. Et donc, le fait de l'avoir partagé et scindé en deux fascicules, ça reste propre, lisible, et c'est pas tout entassé dans un même fascicule. Les vignettes restent à la même taille, donc voilà. Je pense qu'ils ont bien fait de scinder comme ça. Maintenant, on va s'intéresser à certains points particuliers, en tout cas à mon sens, qui sont particuliers dans cet ouvrage.
et qui font aussi la force de ce livret coffret. Le premier point, c'est d'une part déjà de comprendre l'histoire de Maître Tetsuji Murakami dans les grandes lignes. Alors, je dis bien dans les grandes lignes, il ne s'agit pas d'une biographie très très pointue, mais d'avoir déjà une vision d'ensemble de ses actions au sein du Shotokai et au niveau français et européen. Ce qui est intéressant, c'est la deuxième partie de cet ouvrage qui traite en réalité des perspectives du Shotokai. Qu'est-ce que le Shotokai, d'accord ? Quel est l'esprit d'un Shotokai ? Là-dedans, je retiendrai un point important, hein, d'accord ? Notamment, vu qu'on parle des katas, l'une des phrases qu'évoque Maître Tetsuji Murakami, c'est finalement que le kata, rien ne sert d'aller vite déjà, rien ne sert de se précipiter dans la forme. Ce qui est intéressant, c'est de jouer sur les contrastes, d'accord ? On retrouve ça effectivement dans les arts martiaux, tous les arts martiaux, le contraste yin-yang, d'accord ? Le souple, léger et le lourd, d'accord ? Qui viennent alimenter le kata. Également la souplesse, et là-dessus j'attire votre attention. Il parle d'une souplesse qui n'est pas la souplesse de cirque, hein, qui permet d'avoir par exemple un grand écart, mais qui est plutôt une souplesse subtile, d'accord ? Une souplesse justement qui va permettre de gérer un delta entre une force de contraction et une force de relâchement. Cette souplesse-là est importante puisqu'en fait elle vient conditionner la définition du Shotokai, d'accord ? L'efficacité dans le relâchement. Okay ? Et donc le relâchement peut se comprendre. Si on comprend aussi ce que signifie être contracté, d'accord, et relâché. Donc c'est le delta entre les deux qui est important de comprendre. On parlera plus tard dans une autre vidéo sur la notion de contraction. Ce qui est appréciable sur les fascicules, c'est qu'en fait vous avez un dépliant qui vous permet d'être assez mobile, hein. Vous pouvez le mettre dans un sac, le déplier, le regarder s'il y a un trou noir au moment d'un kata, lors d'un apprentissage, ou même lors d'un perfectionnement. On n'atteint jamais vraiment la perfection dans les katas, hein. Toujours des choses à apprendre. Mais le point fort, c'est que d'une part, vous avez les vignettes, d'autre part, vous avez donc les noms des techniques en japonais, donc le lexique japonais, hein, pour ceux qui sont férus des termes japonais, moi j'aime beaucoup les glossaires. Vous avez donc toute cette codification qui est renseignée en dessous de chaque vignette. Et puis, vous avez aussi, grâce à l'ouvrage des katas, un système de codification qui vous permet de vous reporter au séquencement, hein, sur le dépliant par rapport à la vignette qui est évoquée. Donc chaque vignette va faire l'objet d'un petit code, et ce petit code on va le retrouver dans le livret de kata, et à partir de là vous pourrez voir les détails et les précisions qui sont apportées à ces vignettes. Donc il y a vraiment un travail d'aller-retour, un jeu d'aller-retour précis. Je trouve que c'est une bonne idée, ça permet d'une part d'avoir la pureté du kata sur un dépliant, donc d'avoir vraiment le minimum visuel, j'entends. Et puis derrière, ceux qui veulent creuser, aller voir davantage, chercher le détail, peuvent aller directement dans l'ouvrage, la partie kata, pour venir consulter tous ces points de précision. Et donc se refaire un peu le puzzle dans la tête de « Ok, la forme c'est ça, maintenant derrière, il y a telle précision qui est apportée à la forme, donc ça veut peut-être dire qu'il faut pratiquer plutôt comme ça. » Donc ça c'est intéressant, ça vous permet une fois de plus de vous poser des questions et de réussir à avancer dans votre travail, d'accord ? Ne pas stagner, avancer. Et prendre, j'insiste, l'information qui est plus à la source que ce qu'on peut voir actuellement, hein, d'accord, dans certains cours. Là on va chercher plus à la source et donc c'est vraiment appréciable. Voilà, je tiens à préciser que Tetsuji Murakami c'est un sensei que je n'ai malheureusement pas rencontré. Il est décédé en 87, moi je suis né en 86. Voilà, malheureusement, la vie a fait que je n'ai pas pu rencontrer ce sensei. Donc, si vous avez des remarques, ou si vous-même vous l'avez côtoyé, s'il y a des petites anecdotes intéressantes à partager dans les commentaires, même des points de précision sur sa pratique, même sur son caractère, parce qu'apparemment c'était quelqu'un d'assez strict, assez austère, il cherchait la perfection, l'exigence, hein, de ce que j'en ai compris, mais il aimait fortement ses élèves. Voilà, il y avait ce contraste aussi. Je ne vais pas faire une généralité, mais je pense très japonais aussi, c'est-à-dire quelque part, il y a une anecdote qui m'a bien fait rigoler dans l'ouvrage, c'est que apparemment, Maître Tetsuji Murakami avait dit qu'à un moment donné, il était devenu bavard, hein, très bavard. Et c'est marrant, ça reflète tout l'esprit japonais, hein, l'esprit japonais qui, en fait,
n'est pas tant dans la démonstration du speech vocal, d'accord, mais plutôt dans la démonstration du mouvement, la pratique, d'accord, la pratique même parfois dans le silence, mito legaiko, observer, apprendre en regardant, d'accord. En Occident, voilà, on n'est pas du tout dans cette perspective. En Occident, c'est vraiment, voilà, il faut impérativement des explications, il faut tout décortiquer, il faut tout expliquer. Je pense qu'il y a du très bon dans la méthode japonaise, et voilà, qui a peut-être changé depuis, hein. Moi je suis pas au fait de tous les détails au Japon, mais en tout cas, il y a du bon dans le Mito Rigaiko, l'observation. C'est un des canaux d'apprentissage, il faut s'en servir. Après, il y a aussi l'auditif, ça c'est un autre canal. L'auditif, c'est bien d'apprendre aussi par la parole, hein, par les mots, placer des mots justes sur une forme, une explication complémentaire. C'est ce que fait d'ailleurs l'ouvrage, hein. Il y a les images et puis ensuite il y a l'explication. Voilà. Et puis après, bien entendu, il y a la kinesthésie, il y a le toucher, d'accord, le fait de pouvoir ressentir avec le corps. Donc je pense que ces canaux-là, il faut en fait les mélanger, d'accord. Il ne faut pas faire que du mitolegeiko ou que du blabla. Il faut être capable de voilà, venir travailler tous ces aspects pour que ça fasse qu'un et que tous les canaux de transmission soient stimulés. Autre point, c'est un ouvrage qui est relativement cher, qui coûte 150 euros à l'époque, hein, je l'ai acheté 150 euros, mais le prix est aussi dû à la rareté du produit, d'accord. C'est vraiment autant des livres, par exemple sur le Qigong, on en trouve beaucoup, autant là, sur les Kata Shotokai, ça reste relativement mince, d'accord. Donc le prix peut aussi se comprendre, d'accord. C'est aussi un bel objet, hein, le coffret est beau. Voilà, on a un aspect cartonné, un petit côté un petit peu velours dessus. On a les fascicules qui sont avec un idéogramme dessus, qui sont vraiment jolis, épurés. Et puis, bien entendu, toutes ces informations qu'on retrouve nulle part ailleurs, hein, sur le maître et puis les précisions sur les katas. Donc c'est vraiment une pépite, voilà. Ce qui est intéressant à préciser également, c'est que on peut toujours commander cet ouvrage. Alors, il est en édition limitée. Effectivement, moi, sur le mien, il y a un numéro d'exemplaires. C'est 300 et quelques. Je pensais que voilà, l'ouvrage allait finalement être limité en termes de tirage et donc ne plus se produire. Et en fait, c'est pas le cas. Visiblement, on peut toujours en commander. Donc, c'est très intéressant. Vraiment, si vous n'avez pas l'ouvrage, sautez dessus. En tout cas, si vous êtes pratiquant Shotokai, je pense que c'est indispensable si vous voulez vous rattacher à un point de référence. Voilà, sur les kata. C'est important qu'il y ait des passionnés, qu'il y ait des gens qui permettent de faire poursuivre les traditions, d'apporter de la matière pour les nouvelles générations. Sans quoi, les traditions vont se perdre. Et c'est vraiment triste. D'accord. Il faut impérativement qu'on retrouve ces traditions, qu'on comprenne le passé, et quelque part, qu'on s'appuie sur le passé pour encore faire grandir et évoluer la pratique. C'est indispensable. D'accord. Donc merci à eux pour cet effort et ce travail et ce partage.